possible où je vais à la rencontre de personnes connues ou inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leur vie de leurs rêves, osé être eux-mêmes, surfer sur la vague de leur vie. Les « oui, c'est possible » nous transforment, nous font vibrer haut et impactent le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Christelle, dont c'est son anniversaire. Photographe et photothérapeute, une hypersensible comme elle se définit, au monde qui l'entoure depuis le plus jeune âge. Elle aime la vie et l'authenticité des rencontres. L'histoire de la photo remonte à ses 12 ans. Un burn-out plus tard, une perte de sens dans sa vie professionnelle axée sur la performance, une rencontre en 2016 décisive avec Olivier Folmy, j'espère que vous aimez ce lien, photographe humaniste, elle se lance à titre professionnel. Elle se consacre aujourd'hui à accompagner les femmes touchées par la maladie, le cancer, ainsi que des personnes en manque ou perte d'estime de soi. Elle m'a laissé une petite citation dans sa présentation que je trouve merveilleuse. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Bonjour Christelle, bon anniversaire déjà, puisqu'on a le 1er décembre. Comment vas-tu ? Bonjour Céline, merci. Je vais bien, avec cette petite bougie à souffler en plus. Très bien, je suis très heureuse d'être là. Je te remercie pour ton initiative. En tout cas, moi j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est quoi ton « oui, c'est possible » Explique-nous un petit peu comment tu en es arrivée là. Quelle était ta vie déjà avant ton « oui, c'est possible » Explique-nous un petit peu. Alors, j'ai toujours été une enfant très discrète, très réservée, très utopiste aussi, toujours dans ses rêves. Et puis j'ai toujours eu envie que tout le monde aille bien. Et j'ai jamais été à l'aise avec les conflits, etc. Donc, j'ai un côté clown parce que j'aime bien faire rire et puis j'aime bien que les gens se sentent bien. Et puis, j'ai aussi un côté très réservé, très pudique. Donc, le « oui, c'est possible » pour moi aujourd'hui, c'est accepter à mon tour de parler de moi, de mon activité passion dont j'ai fait mon métier aujourd'hui et me mettre moi dans la lumière. D'accord. Et alors, du coup, pour te mettre en lumière alors que tu étais plus toi dans l'ombre et tu t'y plaisais bien, c'est quoi ton déclic de dire « Ok, j'étais dans l'ombre, j'étais bien, je n'avais pas envie d'y aller dans la lumière, et là j'y suis, comment ça s'est passé ? Ça a été quoi ton déclic pour passer de l'autre côté en fait ?» Il y a eu plusieurs déclics dans ma vie de femme. Il y a eu le décès de mon papa il y a 10 ans. Bah, alors, ça remonte à un certain temps, hein, mais avec des prises de conscience sur à quel point la vie peut être courte et à quel point si on ne fait pas ce qu'on aime dans la vie, ça peut passer très, très vite et du jour au lendemain, on peut ne plus être là. En tant que maman, il y a eu le départ de mes enfants de la maison aussi, le syndrome du nid vide, où on se retrouve un peu face à soi et à ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de mener sa vie. Il y a eu aussi une inscription à un groupe avec des rencontres extraordinaires. Ce groupe mené par Valérie Karchi de Wake Up and Smile, où j'ai rencontré des femmes magnifiques, merveilleuses, dont tu fais partie. Et voilà, et ces femmes comme moi font leur chemin, se mettent aussi dans la lumière, travaillent aussi à tout ça, et c'est un élan collectif qui me porte chaque jour. Et voilà, ça fait partie de ces trois éveils de conscience, je dirais, qui m'ont porté aujourd'hui. Et du coup, donc, quand tu as décidé de créer ton activité, tout simplement, ça date d'à peu près de combien maintenant ? Cinq ans. Oui. Et dans ta présentation, il y a le burn-out. Et ce burn-out, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, tu t'es dit, ça y est, là, maintenant, il faut que j'y aille. Et comment tu es passé, je veux dire, de l'autre côté, quoi ? Alors, en fait, il y a 5 ans, j'ai vécu un troisième licenciement donc, qui a été très, très douloureux pour moi parce qu'il y en avait eu deux. Il y en a eu deux avant ce troisième. Le troisième a été le déclencheur de cette folie, en fait, qui m'a fait complètement déconnecter de ce monde axé sur la performance puisque j'étais directrice d'un centre
de formation linguistique avec 50 formateurs. J'intervenais auprès des entreprises pour établir des plans de formation. Donc, directrice de deux centres différents, licenciée deux fois pour des raisons X et Y, ensuite embauchée dans une fiduciaire à Genève et licenciée une troisième fois. Donc voilà, tout a explosé, grosse remise en question. Et je suis partie faire un stage de développement personnel dans une yourte à la montagne, près de chez moi. Et là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'elle adorait mon travail photographique, puisque j'ai toujours fait de la photo depuis mes 12 ans, comme je le disais. Je publie régulièrement des photos de la nature, dont je suis profondément attachée depuis que je suis enfant également. Et là, elle m'a dit, écoute, je voudrais qu'on bâtisse un projet ensemble autour de la femme. Si ça t'intéresse, on en parle la semaine prochaine. Et c'est là que tout a commencé, en 2015. Et donc là, tu travaillais plus, tu étais licenciée, tu n'avais pas une autre activité. J'étais au chômage. Ouais, j'étais licenciée, j'étais au chômage. Donc voilà, donc, pendant un an, pendant cette période de chômage, on a interviewé 20 femmes qui avaient entre 18 et 77 ans sur leur vie. C'était un échange à trois, c'est-à-dire que la thérapeute, mon amie, entamait un discours avec ces femmes. Et puis moi, j'étais dans un petit coin de la pièce et je photographiais toutes les émotions qui venaient de cet échange. Et de cet échange, on a fait donc une exposition en nature, au milieu des arbres, dans des... Les portraits étaient suspendus dans les arbres, dans la mousse, etc. Et lors d'un week-end sacré autour de la féminité. Et donc là, après, tu t'es dit quoi? Je continue? Là, ça venait en fait aborder un problème crucial dans mes photographies, c'est-à-dire que la photographie a toujours été pour moi un révélateur de ce qui ne se voit pas. En fait, moi, je photographie ce que je ressens, pas ce que je vois, mais ce que je ressens. Pour une fois, je trouvais un sens à la photographie. C'est-à-dire que moi, la photographie de studio très travaillée, où on retouche, etc., je trouve ça très beau, mais c'est pas moi, ça me correspond pas. Moi, je suis plus dans l'authenticité et je trouvais que me lancer dans ce projet-là, de proximité avec les gens et de révéler ce qu'il y avait de plus beau en eux, c'est ce qui me faisait vibrer de l'intérieur, en fait. Et donc là, tu t'es lancée, ça fait 5 ans. Oui. Vas-y. Quand je me suis lancée, en fait, j'ai écrit en une nuit un projet à destination de la vieillesse et la maladie d'Alzheimer. Donc, je suis allée présenter ce projet dans les maisons de retraite où les portes ont été grandes ouvertes et j'ai fait beaucoup de photographies de personnes âgées en essayant de donner une petite note légère avec des petites moustaches, des petites lunettes, un jeu qui s'instaurait. Et aujourd'hui encore, 5 ans après, des familles me rappellent pour avoir les clichés de ces photos puisque les personnes disparaissent et c'est les derniers clichés qu'ils ont eus dans les maisons de retraite. Donc, ça me touche encore beaucoup de me dire que 5 ans après, je peux honorer ce projet-là auprès des familles qui le souhaitent. C'est important parce que c'est vrai que ça laisse une trace dans la vie de ceux qui restent encore, qui sont bien là, qui sont vivants. Ouais, ouais. Et du coup, parce que je sais que tu as des ateliers, que tu as créé des ateliers maintenant, etc. Maintenant, c'est ton activité. Moi, j'ai envie de te dire, pendant tout ce temps-là où petit à petit, tu as créé tes projets, tu as eu la trouille. Oui, j'ai la trouille parce que je l'ai encore, un peu moins maintenant parce que j'expérimente, voilà, mais je fais de plus en plus confiance à mon intuition et à l'élan du cœur. J'anime des ateliers avec des femmes atteintes de cancer parce que le cancer pour moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai perdu mon papa donc d'un cancer, ma marraine 6 mois après mon papa, donc sa sœur, d'un cancer également. Je vois à quel point cette maladie isole, à quel point elle remet tellement de choses en cause. Donc en 2015, après mon licenciement, etc., en 2016, j'ai une nuit d'insomnie, j'ai répondu à l'appel d'une association de Tours pour accompagner 35 femmes atteintes de cancer du sein
pour un périple en vélo ralliant Tours à Saint-Brévin-les-Pins. Et ils avaient besoin d'un photographe, en fait, et ils n'avaient toujours personne. Et donc, je les ai appelés à 8 heures le matin. Je leur ai proposé mon aide à titre bénévole, simplement pour les accompagner pendant une semaine. Et j'ai fait le reportage de toutes ces femmes pendant les soins, pendant le vélo, etc. Et là, il y a eu comme un appel du cœur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui m'a mis sur mon chemin aujourd'hui. J'ai une personne qui disait que notre parcours avait façonné ce qu'on était aujourd'hui et ce qu'on devenait. J'en suis vraiment convaincue. C'est qu'à chaque fois, il y a des petites pierres blanches qui nous guide, et moi je me laisse guider par le cœur et l'intuition, et je sais qu'il y a des belles choses à faire pour aider ces femmes. C'est beau. Je suis là comme ça. C'est magnifique, c'est très très beau. Et est-ce que quand même, dans tout ce beau parcours que tu as, est-ce que tu as rencontré des obstacles, parce que c'est pas forcément facile de... Après, déjà, une vie de salariat, de se mettre à son compte, hein, ça, c'est quand même pas non plus... c'est pas, c'est, de nos, chez nous, c'est pas naturel, parce que dans d'autres pays, oui, chez nous, en France, on a quand même un peu de mal avec tout ça. Et alors, tu as eu des obstacles, comment tu as fait? Parce que, ok, tu en as eu, je suppose, et comment tu as fait pour les dépasser? Oui, j'ai eu plein d'obstacles. Aujourd'hui, je ne suis pas totalement indépendante en photographie, puisque j'occupe un poste de secrétaire réceptionniste dans la maison de retraite où j'ai commencé mes shootings photos auprès des personnes âgées. En discutant avec la directrice, je lui disais que j'avais besoin d'une activité complémentaire parce qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas vivre de la photographie. J'aime beaucoup ce que je fais aussi dans cette maison de retraite avec les personnes âgées. Après, se mettre à son compte, c'est aussi oser se dire qu'on part aussi vers l'inconnu et que ça va prendre probablement un certain temps. Mais je dirais que depuis une année et demie, c'est plus le... Je ne pense plus à cet aspect sécurité financière, etc. J'ai tellement envie de vibrer ce que j'ai apporté aux gens que j'ai envie de mettre mon énergie dans ça et pas dans financièrement ce que ça peut m'aider à vivre dans ma vie. L'équilibre se fait naturellement. Et alors, c'est sûr que mon activité photographique a été très mise à mal par le Covid, hein, parce que tout a été en stand-by. Tous mes ateliers avec les femmes, surtout des femmes fragiles comme elles le sont, sont annulés parce qu'il n'y a plus de salles de dispo, etc. Mais ça me permet de travailler encore plus ces ateliers, d'apporter encore plus de choses et de faire en sorte que ce soit encore plus beau, quoi. C'est beau. Mais moi, je sais ce que tu fais, donc je bois tes paroles. On mettra le site internet et tous ces liens à Christelle sous l'interview. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et alors, tu es maman, tu es une épouse? Tu as été salariée, tu as des amis, tu as une famille, comme tout le monde. Le regard des autres, comment ils ont vécu tout ça et qu'est-ce qu'ils ont pu te dire? Alors, comme je suis rentrée dans une période depuis ces 5 ans-là où j'ai quand même vécu, on va parler d'un éveil, parce que pendant ce week-end de ressourcement dans les yourtes, j'ai quand même vécu un éveil, j'ai pas peur de le dire, une connexion... profonde, assez difficile à expliquer, mais avec ma maman, puisque je n'ai jamais connu ma maman, elle est décédée en me mettant au monde. Et pendant ce week-end-là, j'ai vraiment une reconnexion profonde. Donc, j'ai pas honte de dire, enfin, pas honte, enfin, c'est pas de la honte, c'est juste, je dis que voilà, j'ai vécu un éveil qui m'a donné une dimension beaucoup plus subtile et intuitive de la vie, que je cultive chaque jour aujourd'hui, et chaque jour j'ai des preuves que voilà, je ne suis pas perchée comme beaucoup le pensent. J'agis juste avec mon cœur. Alors, mon cœur est grand et il y a plein de choses dedans, ma tête aussi des fois, hein, mais souvent. Donc c'est peut-être l'obstacle que j'ai rencontré au départ, c'est que comme j'ai fait beaucoup de week-ends sur le féminin et que j'ai fait beaucoup de photos autour de ces week-ends sur le féminin, quand je rentrais, j'étais dans une énergie particulière, effectivement, pleine d'amour, de lumière. Voilà, c'est probablement un des premiers obstacles que j'ai rencontrés, où on me disait que j'avais une vision de la vie qui était complètement perchée, que je vivais dans le monde des bisounours et qu'on ne me reconnaissait plus. Voilà. Des licornes, voilà, tout à fait. Bisounours, licornes, oui. Casimir aussi, mais bon, il y en a qui connaissent pas.
Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre très, très, très souvent, mais bon, à un moment donné, suivre son chemin, comme tu dis, hein, Oui. petit pas, les petits cailloux. Et alors, du coup, ces petits cailloux, là, il y en a d'autres devant, il y en a Oui. d'autres, c'est sûr. Les projets, tes projets, là, par rapport à ton activité, par rapport à ton oui, c'est possible, parce que c'est tous les jours qu'on crée Oui. tout. Bah, mes projets, c'est vraiment de poursuivre ces ateliers en groupe parce que ces ateliers en groupe, pour moi, ont beaucoup de résonance. Il y a des synchronicités, il y a des miroirs. Quand les femmes sont ensemble, qu'elles créent ensemble, qu'elles échangent ensemble, donc autour de la photothérapie, j'ai vraiment envie de développer ça. Mais la photothérapie, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé avec tous les outils que j'ai rencontrés sur mon chemin. Donc, je me suis formée quand même pendant 3 ans et demi en photographie psychocorporelle avec une personne sur Paris, en Suisse également, où j'ai découvert beaucoup d'outils autour de l'art-thérapie, de la photographie. Mais aujourd'hui, au vu des dernières expériences de mes ateliers, j'y ai mis beaucoup d'autres choses. La danse, le mouvement dansé, en tout cas pour moi, est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le corps et qui est une forme aussi d'expression de soi. L'expression corporelle, on ne met pas de mots, mais le mouvement est juste, permet d'exprimer beaucoup de choses. Donc, mon souhait le plus grand, c'est de continuer à développer des ateliers avec des associations de femmes qui en ont besoin. Alors, je dis atteintes de cancer, mais ça peut être aussi des femmes battues, des femmes isolées. J'étais bénévole au Resto du Cœur aussi. Je sais à quel point ces femmes ont besoin de ça aussi, de ces ateliers de créativité. Donc, le but, c'est vraiment de poursuivre ces ateliers en groupe, de mettre en place des cercles de femmes aussi, vraiment pour libérer la parole des unes et des autres. Ça, pour moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et puis surtout de développer l'activité en individuel pour apporter vraiment un accompagnement individualisé à des gens qui en ont besoin avec des thématiques particulières. Je l'ai déjà fait avec une femme atteinte d'une scoliose déformante qui avait besoin de retravailler sur son image et de vivre un rêve qu'elle a vécu déjà en partant après les séances. Et je trouve ça magnifique qu'elle ait osé faire ce pas et que j'ai contribué à mon petit niveau à mettre l'étincelle à son désir de vie. Donc ça me nourrit, mais j'ai envie de le faire pour tout le monde, partout, partout, et me déplacer pour le faire, aller à la rencontre des gens. J'ai un côté nomade très prononcé. Donc oui, j'allais y venir. Donc tu te déplaces donc Oui, je me déplace. J'adore rouler, prendre ma voiture, aller à la rencontre des gens, faire des kilomètres. J'adore. à travers cette interview aussi, dire à toutes les personnes qui vibrent par rapport à ce que tu fais, que tu peux te déplacer. Oui. Encore une fois, je remettrai le lien de ton site internet, de ta page Facebook, pour qu'on puisse te contacter. Elle se déplace et elle crée de beaux rêves photographiques et de beaux rêves humains dans la co-création, Christelle. Donc, moi, j'ai envie de te dire pour finir, toi, tu l'as créé, ton oui, c'est possible. Tu as créé ta vie sur mesure. Tu es une maman, une épouse, une chef d'entreprise, une entrepreneur, qu'on dit maintenant, c'est le mot à la mode. Tu as créé ton activité. Tu es encore dans une petite part de salariat. Moi, je vais te demander, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui n'osent pas faire leur oui, c'est possible, qui n'osent pas vraiment transformer leur vie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour finir le message, ton message? Je voudrais leur dire qu'à partir du moment où on se reconnecte au cœur, à son intuition profonde, qu'on prend du temps pour écrire ses rêves, de quelque façon que ce soit, qu'on les écrive par le biais de l'écriture ou qu'on les écrive juste en découpant des images qui nous font vibrer, à partir du moment où on laisse au cœur le lead, pas le lead parce que c'est trop. Je voudrais trouver un mot plus doux, mais la parole, tout simplement. À partir du moment où on laisse le cœur prendre la parole et qu'on fait taire un peu cet ego qui nous oblige à être comme ci, comme ça, ces injonctions permanentes qu'on entend depuis qu'on est enfant, et ben, derrière, on sent des petites choses qui grattent dans le dos et des petites ailes qui commencent à sortir un peu et
et qui ont envie de s'ouvrir. Et la vie est courte, vraiment très courte. Et on est qu'une petite partie sur Terre. Et donc, le oui, c'est possible. Il faut bah, l'accueillir les bras grands ouverts. Et puis se lancer parce que il n'y a pas de choses à réussir, il y a juste des choses à vivre. Et que notre message, notre lumière, ben, quelque part, ici, là, quelque part, il y a quelqu'un qui l'attend et qui en a besoin. Donc, il faut le faire. C'est magnifique. On m'a dit, oui, tout à fait. Merci Christelle pour ce beau. Merci beaucoup, Et Céline. Merci pour tout. on se retrouve nous bientôt pour d'autres interviews. Je le redis, on vous mettra tous les liens de Christelle pour ceux qui veulent aller plus loin et pour qu'elle puisse vous accompagner dans beaucoup d'amour. Et moi, je vous dis à très très bientôt et puis prenez soin de vous. Bye bye. Merci beaucoup.